C'est à l'occasion d'une table ronde sur les thérapies de demain contre le cancer, organisée par l'association Solidarité pour le soutien aux malades, que nous avons rencontré Cécile Baudet. Pendant plus de 30 ans, cette biologiste de formation, journaliste médicale et ancienne rédactrice en chef d'Alternative Santé a contribué à la prise en charge de leur santé par les patients. On retiendra aussi sa bataille contre le vaccin contre l'hépatite B. Autre combat, celui mené aux côtés du docteur Pierre Tubéry pour la reconnaissance des bienfaits sur le foie du Desmodium, une plante originaire d'Afrique de l'Ouest. Ce que j'ai toujours admiré chez Pierre Tubéry et Anne-Marie, sa femme, c'est leur grande générosité, leur grande éthique scientifique, c'est-à-dire qu'ils n'avançaient rien sans avoir vraiment fait tout un travail d'investigation autour des plantes d'origine africaine, et une grande honnêteté et générosité et liberté de pensée. Et ce ton libre, on en discute aujourd'hui là, cette liberté, ce ton manque encore aujourd'hui. Il y a encore peu de médecins qui sont prêts à exercer leur libre arbitre par rapport à une société un peu figée. En 2007, Cécile Baudet a publié Cancer et médecine complémentaire aux éditions Le Souffle d'Or, puis En forme grâce à l'argile en 2012. Son dernier ouvrage, En forme grâce aux huiles végétales, est paru cette année aux éditions Terre Vivante. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail-là, c'est un petit peu ce que je faisais dans le cadre du journal quand on faisait des dossiers, c'est-à-dire partir d'une problématique et puis essayer de faire une synthèse sur un sujet bien précis. Donc l'argile, c'est une thérapie qui a fait ses preuves depuis longtemps. Donc c'est un petit peu revu au goût du jour, et c'est vrai qu'il y a des nouveautés quand même, il y a des nouvelles qualités d'argile qui sont apparues sur le marché, comme la montmorillonite dont on parle moins, l'élite étant l'argile la plus couramment employée. Et puis les huiles végétales, ça c'est une petite passion, c'est-à-dire que je me suis intéressée à l'importance des oméga-3, et à travers ces oméga-3, j'ai déroulé un fil qui m'a conduit à traiter 40 huiles diverses et variées avec les acides gras qu'ils contiennent, leur qualité gustative, leur qualité culinaire, cosmétique. Et c'est devenu vraiment un bébé qui me plaît beaucoup parce qu'il est riche de tout un tas de choses. Et là, le premier, ça c'était davantage dans l'esprit du journal Alternative Santé. C'était essayer de dire aux gens, ne vous laissez pas enfermer quand vous avez une maladie grave. Il y a souvent des thérapies alternatives qui existent. Alors on a préféré sur le titre mettre complémentaire pour ne pas être en opposition avec les médecines classiques, parce que souvent les gens finalement font les deux, et c'est très bien. J'ai essayé de dérouler dans ce livre-là toutes les méthodes qui, à l'époque, étaient disponibles, donc les produits de Tubéry, les produits de Belgianski, Solomides, etc. Cécile Baudet a passé plusieurs années à Madagascar. C'est de cette expérience que sont nées la plupart de ses réflexions, de ses observations et de ses pistes de recherche sur les moyens simples de combattre certaines maladies. On a passé 4 ans à Madagascar à faire du bénévolat et dans l'humanitaire. Moi, je m'occupais d'orphelins et mon mari s'occupait davantage d'huile essentielle. Et c'est vrai que là, en parlant avec Pierre Tubéry et l'association Solidarité des plantes africaines, on se rend compte qu'il y a vraiment un réservoir important de produits, mais aussi une richesse humaine dans ces pays qui sont un peu dépourvus de tout. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à l'argile, parce que ça fait partie des moyens simples qui sont utilisables dans ces pays qui ont peu de moyens et qui utilisent beaucoup les ressources de leur pays pour leur propre profit. Or en fait, que ce soit Pierre Tubéry, que ce soit le travail qu'on a fait dans le cadre d'Alternative Santé, que ce soit le travail que je fais, c'est vraiment dans le souci d'être, de servir en fait, de servir les gens, les malades, les personnes, et jamais pour un profit personnel. Et ça, je crois que c'est l'association Solidarité, il faut vraiment leur rendre hommage. C'est vraiment plein d'une grande générosité, d'une grande honnêteté et d'un grand amour finalement de l'autre. Et je pense que ça, c'est important.
Depuis 1982, l'association Solidarité pour le soutien aux malades apporte écoute, soutien et conseils aux personnes malades et à leurs familles. Présente partout en France, elle défend aussi les thérapies complémentaires comme la phytothérapie.